Depuis 15 mois sur ce programme. C'est aujourd'hui sa première sortie. C'est un petit peu comme un enfant qui commence à marcher. Et il y a encore pas mal de travail à faire, mais je trouve les résultats acquis jusqu'à présent extrêmement encourageants et surtout l'enthousiasme de l'équipe qui travaille sur la Turbo 16 extraordinairement motivant. Il y a plusieurs intérêts. Le premier, c'est de continuer ce que nous avons fait jusqu'à présent, aussi bien du côté Peugeot avec les rallyes africains que du côté Talbot, notamment en 1980, et de reprendre d'une manière plus unifiée un programme de rallye championnat du monde avec au bout, je ne peux pas vous dire exactement quand, mais au bout la victoire. On est parti de là-bas d'une 205 et puis à partir de là, on a voulu faire une voiture de course. Et cette voiture de course, pour nous, les choix les plus, le meilleur compromis, c'était un moteur placé en position centrale, 4 roues motrices et un moteur turbo. En plus, le moteur turbo, on a une équivalence de cylindrée qui est favorable et ça nous permettait de réutiliser le bloc du coupé GTI qui est le XU. Pour nous, aujourd'hui, la 205 Turbo 16 est le meilleur compromis par rapport à la concurrence qui existe aujourd'hui. Thank you.
parlais tout à l'heure d'enthousiasme, je suis très impressionné par la cohésion de l'équipe réunie autour de Jean Todt. Je suis très impressionné aussi par toute cette amitié, par ce que fait Jean-Pierre Nicolas, qui est tout à fait remarquable pour et qui nous aide considérablement à la mise au point de la voiture. Et je dois dire que ça me paraît de tout ça de très bon augure pour l'avenir. Et je remercie Jean Todt, Jean-Pierre Nicolas et toute l'équipe qui est autour d'eux. C'est le résultat du travail de beaucoup de monde, d'heures passées sur les planches, dans les bureaux d'études, dans les ateliers, nos mécaniciens la nuit, tout ça. Et puis enfin, on est sur le terrain et puis on se rend compte que ça marche pas mal. L'enjeu, c'est surtout de pouvoir s'étalonner par rapport à la concurrence, les Lancia Rallye, les Audi Quattro, les Opel d'usine. Et puis de voir que le premier G, eh bien le premier G, on est vraiment là. D'avoir quelqu'un en point de mire. Le terrain était vraiment très glissant et disons que sur un parcours aussi sinueux, c'était difficile d'utiliser de la puissance et toutes les possibilités de la voiture. Bien quand même. Très bien, non, très bien, très content, mais disons que sur terrain sec, je pense qu'on aurait gagné. Je crois qu'elle a brillamment démontré ses futures capacités. Run like gang niggas.